N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Oui, alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un trou de l'information occidentale, grâce à un journaliste français qui va nous expliquer ce qui s'est passé à Odessa en 2014, avant que le Donbass ne se révolte contre les dirigeants ukrainiens et M. Porochenko. Un massacre commis par des milices nationalistes ukrainiennes sur la population russophone de la ville d'Odessa. Alors, Paul Moreira a réalisé un documentaire sur ces milices que je vous recommande vraiment. Il s'appelle « Ukraine, les masques de la révolution ». Je mettrai le lien en description. Il a été, pour ce documentaire, vilipendié par la presse de tous les côtés. Un exemple, Le Monde annonçant son reportage. L'Ukraine. Tu as fait un reportage sur l'Ukraine, ouais. Où tu t'es fait vilipender un peu par une partie de ta... Excuse-moi de parler comme ça, mais une partie de ta caste. J'ai une caste. Bah, la caste journalistique. Ah oui, ouais, minuscule. Ouais, non, mais bon. Comment ça s'est passé? Comment t'es parti là-bas? Qu'est-ce que t'as vu? Quels sont... Allez, délayé. Alors, l'Ukraine, moi, c'est un endroit que je connaissais pas du tout. Et... En fait, moi, ce qui me fascine dans ce métier, et pourquoi je le fais, c'est les histoires de perception. Je suis toujours très intéressé de voir comment les perceptions se construisent, parce que je pense que c'est ça, aujourd'hui, la définition de la propagande. C'est la guerre de la perception. Et dans le cas de l'Ukraine, encore une fois, que je ne connaissais pas du tout, que j'étais pas allé, c'est un peu en vagabondant sur Internet, comme on le fait tous, comme ça, que je tombe sur une histoire, qui est le massacre d'Odessa. Avec les snipers? Non. Non. Tu vois, même toi, tu sais pas ce que c'est. Ouais, le 2 mai 2004, il y a 46 personnes qui ont été brûlées vives par des milices d'extrême droite, pas pro-russe, pro-ukrainienne. Avec... Personne ne le savait. C'est là où il y a eu la femme enceinte avec le fil de téléphone autour de la gorge? Ouais, alors ça c'est une photo, on ne sait pas. Enfin, voilà, mais c'est là, l'image vient de là. Et si tu veux, moi je suis journaliste d'investigation, comme on dit, et je tombe sur un massacre en plein milieu de l'Europe qui a eu lieu là, hein, et je n'en ai pas entendu parler. Ça me rappelle vaguement un truc, tu vois, et là on est vraiment dans la perception, je me dis, ça me rappelle vaguement un truc, mais j'étais convaincu que c'était l'autre bord. Que c'était les pro-russes qui avaient tué des Ukrainiens. Toi, dans ma tête, comme ça, de ce qui reste de l'histoire, c'est-à-dire vraiment l'écume, la perception. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais donc je m'adresse autour de moi, à d'autres copains journalistes, et Odessa, ça te dit quelque chose. Et personne ne savait rien. Tu disais, oui, il y a eu un truc. Hein, et cette espèce de flou qui m'a fasciné, en fait. Et j'ai commencé à creuser, et là, je découvre un truc hallucinant. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est des heures d'images. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un pogrom qui est filmé. C'est marrant parce que j'ai monté avec un copain, le monteur est un copain israélien, et il dit, tiens, j'imaginais pas qu'un jour de ma vie, je verrais un pogrom en train de se réaliser, où les gens perdent la tête, deviennent fous. Ouais. Et plus ça va, plus je me fais happer par ces images, qui sont des images d'une violence extraordinaire. Et je me dis, mais comment on n'en a pas parlé? Et je commence à regarder, et je me dis, non, mais ça n'a pas été censuré. Juste, on l'a évoqué doucement, ça n'a pas été approfondi, il n'y a pas eu de protestation, des chancelleries, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête du gouvernement ukrainien. Il n'y a pas eu de forensic, de gens qui sont allés sur place, gratter des éléments, etc. Et là, je commence à me dire, mais c'est délirant, on est en plein cœur du 21e siècle, le truc, il y a 2 heures d'image là-dessus, et il n'y a quasiment rien dans les médias. Ou pire que rien, parce qu'encore quand un truc est censuré, tu peux dire, ah,
censure. Et là, tu fais décoller l'info. Non, là, c'est filandreux, quoi. C'est à peine évoqué, pas traité, pas vraiment traité. C'est donc opaque. Donc toi, tu débarques là-dedans. Et donc, je me dis, c'est fascinant, il se passe un truc. Et donc là, je découvre qu'en fait, les méchants du film, dans cette configuration-là, sont précisément les victimes, c'est-à-dire les pro-russes, les russophones, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et là, en fait, ce que je remonte, c'est que on a une sorte de rigidité dans la perception de ce qui s'est passé en Ukraine. On a donné un chapeau blanc et un chapeau noir aux deux camps, sans chercher à être un peu complexe quoi dans ce qui s'était passé. Et je découvre. Alors j'avais entrevu hein, quand je voyais les JT pendant Maidan, je voyais des images un peu bizarres de mecs avec des symboles un peu bizarres. Je me disais, mais c'est qui ces mecs-là? Et c'était, à mon sens, pas suffisamment traité, quoi. Et donc, je découvre qu'il y a Azov, Pravi Sector, donc, en gros, des milices dont les dirigeants sont historiquement, appartiennent à des groupes néo-nazis. Des types assez... c'est transparent, quoi. Ces gens-là, ils sont backés par qui? Ils sont financés comment? Est-ce que tu t'es renseigné sur ça? Ils ont été... La position de l'ambassade américaine sur place, comment ça se passe? Alors, les Américains, ça c'était l'autre truc intéressant, mais les Américains, ils préféraient ne pas se retrouver dans une histoire où il y a des néo-nazis. J'en doute pas une seconde. Ils préféraient la révolution orange avec des gens présentables que d'avoir Azov et Pravi Sector dans le bouillon. Sauf que la tendance lourde du département d'État étant... De stimuler les révolutions. Au moins de faire de ce qu'on appelle du containment de la Russie. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas perdu... Alors déjà, dans ton mot containment, ça veut dire quoi en français? Contention. C'est contenir, tu vois. Voilà. C'est l'idée de contenir, mais au sens proactif du terme. Moi, j'aime bien contention. Mais dans la prise de contrôle de la dialectique, c'est contenir ou c'est freiner ou c'est contenir contre quoi? Une invasion russe? C'est pour ça que j'aime bien contention, parce que c'est une bande de contention, c'est non seulement quelque chose qui te tient, mais c'est même quelque chose qui te pousse, qui te tire. Mmh. Et c'est vrai que c'est un secret pour personne qu'il y a l'OTAN tout autour de la Russie. Mmh. Donc, il y a, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu une sorte de poursuite de la logique du côté des Américains, en tout cas, de grignoter, ou de contenir, plutôt, de contenir, grignoter, c'est pas le bon mot, mais de contenir l'espace de l'Empire russe. Qu'est-ce qui se passe quand on bat de contention, comme tu dis, est trop serré? Non, il se passe ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense qu'effectivement, il ne fait pas tellement de doute que les Russes sont très actifs dans le Donbass. Pourquoi? Ils sont très actifs parce que, c'est les marches de chez eux. Deux, il y a beaucoup de Russes, et quand même énormément de Russes qui sont dans cette zone-là, de russophones ou des gens d'origine russe, qui se sentent menacés par l'ultranationalisme ukrainien. Enfin, après, il y a des raisons objectives à ça. Mais les Russes... Ils ont un intérêt géostratégique évident à créer une sorte de zone tampon, à favoriser une zone tampon dans l'est de l'Ukraine. Et c'est évident qu'ils le favorisent. Le degré d'engagement des Russes, il y a des versions diverses, mais c'est évident qu'ils sont là. C'est évident que c'est leur intérêt. Mais un intérêt. Pour envahir ou un intérêt pour résister? Non, moi je pense que si les Russes, voilà le schéma mécanique et brutal, les Russes veulent envahir l'Ukraine, ils en ont pour quelques heures. Hein. Ça, si c'était ça leur projet. Non, les Russes veulent, à mon sens, hein, mais c'est une analyse, parce que je suis en train de te parler d'un truc que j'ai pas enquêté, ce que j'aime pas énormément. J'ai beaucoup enquêté sur les milices d'extrême droite ukrainienne et leur utilisation comme supplétif par le pouvoir ukrainien, et une partie du département d'État américain qui préfère ne pas s'intéresser trop à qui sont de fait les alliés sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Tu remarqueras que le département d'État américain, les gens que tu vois sur place, c'est Victoria Nuland, c'est vraiment le courant néocon.
Tu vois pas énormément Kerry. Tu vois McCain qui est pas au pouvoir. Ah, la frite. Ouais. À chaque fois qu'il passe quelque part, ça crame. Hein. Ouais, mais tu vois McCain et tu vois Newland. Donc, c'est une sorte de... Ouais, c'est un courant, qui est le courant néoconservateur. Eux, ils préfèrent s'appeler maintenant, ils ont changé de mot, ils s'appellent libéral interventionniste. Libéral interventionniste. Ouais, mais ça veut dire exactement la même chose. Ouais. Donc, j'ai pas enquêté profondément sur les intentions des Russes. Mais bon, voilà, à vue nez, ça me semble clair qu'ils ont des intérêts évidents à ce que le Donbass reste une zone tampon entre eux et l'Ukraine, quoi. Les journalistes français, ta perception sur comment la presse française a perçu ton document, a enquêté, contre-enquêté? Est-ce que les réseaux ukrainiens t'ont dit « bon, bah, t'as fait de la merde, ton truc, on peut te le débunker » pour reprendre l'expression consacrée? Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui se sont ralliés à ta cause, ou est-ce qu'ils ont fait un petit peu de l'huile dans leur siège? Ils se sont dit « ouh là là, c'est tellement chaud que bon, on va peut-être pas y toucher ». Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, le groupe, parce qu'il y a un petit groupe qui s'est manifesté. Quel est le groupe? C'est un groupe de jeunes journalistes qui ont un peu commencé leur carrière en Ukraine, dont c'est la première guerre, qui se connaissent bien. Il y a le Benoît Vidkin qui a couvert le conflit pour Le Monde. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Siohan qui a couvert pour Le Figaro. Et en gros, quelques copains autour d'eux. Bon, c'est des gens que j'ai rencontrés à Kiev, que j'ai croisés, avec qui on a échangé quelques mots, dont j'ai su, par mes contacts en Ukraine, les gens avec qui je travaillais, qu'ils s'étaient sentis humiliés par mon film. Je comprenais pas pourquoi ça me revenait, quoi. Pourquoi humilier? Je ne parle absolument pas du traitement de l'affaire ukrainienne par les médias français. Mais à aucun moment. Je ne cite pas le mot, quoi. Mais je crois que le fond de l'affaire, c'est ça. C'est-à-dire que je passe la moitié du documentaire à parler du massacre d'Odessa. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas écrit une ligne dessus. Pas une ligne. Un gars comme Stéphane Siohan, qui a été le plus agressif à mon égard, qui est un multipigiste, mais qui travaille notamment pour le Figaro, il avait fait pour Elle un portrait d'une combattante ukrainienne, nationaliste ukrainienne. Le titre du portrait, il y a une très belle photo d'une jolie blonde, comme ça, avec une arme, en uniforme. C'était une guerre si particulière, un truc un peu adolescent, romantique. En fait, en contre-enquêtant, on s'est aperçu qu'elle faisait partie d'un groupe néo-nazi. Son site, sa page Facebook, elle appelait au génocide. Et du coup, elle avait été obligée de s'excuser, hein, au numéro suivant, de dire on savait pas qu'elle était nazie. Mais Siohan, il devait le savoir qu'elle était nazie. Et alors, le truc amusant, si tu veux, c'est que quand je vends cette idée, l'idée de ce film à Canal+, tu sais, on fait toujours un petit dossier pour leur dire c'est une histoire intéressante, etc. La photo que je mets en couverture, c'est précisément l'histoire de ce scandale créé par Stéphane Siohan dans l'histoire de Elle, dans le portrait de la néo-nazie non identifiée comme néo-nazie. Et donc, je leur explique, c'est intéressant parce que voilà, on a une perception naturelle qui est de dire ils sont formidables, les nationalistes ukrainiens, ils sont tellement jolis, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement blonds. Mais en vérité, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui empêche d'aller un peu plus loin que la fable qu'on nous sert. Et Stéphane Siohan, c'est sûrement un journaliste correct, je dis pas le contraire, hein, mais lui-même se fait avoir, quoi. Il fait un portrait magnifique d'une néo-nazie en dissimulant, je dis dissimuler, je sais pas, peut-être qu'il le savait pas, j'en sais rien, mais en tout cas, en omettant d'enquêter sur qui est cette personne, oblige Elle, qui est un grand journal français, à présenter des excuses pour avoir fait la promotion d'une néo-nazie la semaine suivante, tout en allant... Enfin, je veux dire, l'histoire dans l'histoire, c'est que quand même, il se rend dans une région dont il sait parfaitement que le groupe auquel appartient cette jeune femme, qui est le bataillon Haïdar, se rend coupable des actions, puisque deux semaines auparavant, Amnesty International avait sorti un rapport là-dessus, en disant, autour de Lugansk, qui est l'endroit où il est allé, il y a des exactions commises par ce bataillon. Donc, au minimum, tu poses la question. Au minimum, tu prends une petite distance et puis tu fais attention, quoi. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Merci.